Alors, avant de sortir, je voudrais faire plusieurs annonces concernant notre campagne dont vient de parler Nathalie, pour faire entendre et exister les idées qu'elle vient de développer. Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues. Vous savez qu'une campagne électorale nécessite de coller des affiches, de distribuer des tracts, mais surtout de discuter, comme elle l'a souligné, avec nos voisins, nos collègues de travail, nos amis, pour les convaincre de voter pour leur camp. Alors, si certains dans la salle ne sont pas encore en contact avec des militants de lutte ouvrière sur leur ville, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées aux tables de presse qui sont à la sortie, à droite et à gauche de la salle, et même au-dessus, à côté des tables de presse. Vous trouverez sur ces tables des affiches, des autocollants, des badges pour faire voter Nathalie Arthaud, comme on est quelques-uns déjà emportés dans la salle. Hein. Vous verrez, il y en a de différentes sortes. N'hésitez pas donc à les prendre, à en prendre plusieurs pour les donner à ceux que vous connaissez. Pour les collages, j'en profite pour rappeler qu'il faut faire attention aux endroits interdits, hein, comme les abribus, parce que ça, voilà, parce qu'on ne nous fait pas de cadeaux à lutte ouvrière et ça se traduit quand même souvent par des amendes. Ce n'est pas très utile. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à prendre des exemplaires et à faire connaître notre journal Lutte ouvrière. Hein, c'est un journal qui défend les idées communistes et révolutionnaires, hein, qui parle de la vie quotidienne des travailleurs avec des articles sur la situation sociale, mais aussi sur les mouvements qu'il peut y avoir dans les entreprises. Donc voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec nous pour pouvoir nous aider dans cette campagne. Et une campagne électorale, ben, ça nécessite aussi de l'argent. Donc vous trouverez à la sortie aussi des camarades avec des drapeaux rouges. N'hésitez pas à verser largement pour contribuer financièrement à notre campagne. Je finis juste très rapidement sur les prochains rendez-vous. Il y aura un nouveau meeting ici même pour la région Île-de-France le 12 février, avant un grand meeting national au Zénith le 3 avril prochain. Retenez ces dates. Et puis je rappelle aussi à ceux qui ont l'habitude de venir aux conférences du Cercle Léon Trotsky que la prochaine aura lieu le 19 novembre sur le rôle des banques dans l'économie capitaliste. Hein, c'est des conférences qui ont lieu tous les mois sur des sujets variés, mais toujours du point de vue des idées communistes révolutionnaires. Vous y êtes donc les bienvenus. Voilà, je vous propose de terminer ce meeting en chantant le chant traditionnel du mouvement ouvrier l'international. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère. C'est l'éruption de la faim. Du passé, faisons table rase. Foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base. Nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale. Groupons-nous et demain, l'international sera le genre humain. C'est la lutte finale. Groupons-nous.